c'est son identité. C'est son identité. Distinguez-moi par, souvent, il y a eu brassage entre les Mina, les Hula et les Huila. Mais dès que vous parlez Mina, on vous dit, ah, vous êtes Mina ou vous êtes Koko, ou vous êtes Pila. Vous dites, je suis Pila. Et on voit que, voilà, c'est votre identité, ce qui vous identifie, votre authenticité, c'est ça. C'est la serviette. Et on s'y plaît. Même quand on est en veste, on met notre serviette. Et c'était au moment où Agoué était sous tutelle de la France. Les bateaux venaient à Agoué et restaient au large, et ça a permis aux autochtones de créer des emplois. Parce qu'il n'y avait pas un port. Donc, avec la pirogue, les pirogues, on allait vers les bateaux au large. Et les marchandises se transportaient du large jusqu'à la berge ici. Et un commerce était né. Et ceux qui pratiquaient beaucoup plus, qui étaient des hommes poissons, en ce moment, ils avaient seulement du tissu autour de leur cou et consorts. Mais dans les échanges commerciaux, les Blancs ont commencé à amener des serviettes et consorts. Ils ont dit, mais c'est plus pratique. On s'essore bien le corps, on s'essuie quand on transpire. Et c'est comme ça qu'ils ont adopté la serviette. Et cette particularité, il faut voir ça chez les Hula et les Huila. Ça a gagné du terrain. C'est-à-dire, ça a été une forme de colonisation qui ne dit pas son nom. Parce que avec la serviette, quand vous transpirez, c'est plus facile et plus rapide d'ailleurs. Le mouchoir, vous l'utilisez deux par deux fois, c'est fini. Hein? C'est déjà bien humide, vous ne pouvez plus l'utiliser. Maintenant, il y a les papiers, les torchons, mouchoirs, et ainsi de suite. Mais avec la serviette, vous vous plaisez bien. Quand on veut passer la main à celui avec qui tu exécutes la danse, pour lui dire « j'ai fini », on l'enlève, on place ça au cou de l'autre et on vous dit « ou celui qui est hors de l'espace dans lequel vous êtes en train d'exécuter la danse, celui qui est spectateur de l'autre côté, vous l'invitez à danser juste en enlevant votre serviette et vous lui accrochez ça au cou, il est obligé d'aller prendre la relève à l'intérieur. Il se met là et il danse aussi. Oui, bon, elle n'y mettait pas, mais bon, au fil des ans, au fil des jours, tout ça, elle se plaise aussi. Mais seulement que elle noue la serviette à l'heure. Maintenant, pour danser, on met ça autour du cou. Et elles en ont rien. Et elles dansent. Voilà. Nous étions là avec les Mina, les Popo qui ont souvent la serviette au cou. Eh bien, M. Georges Martin Villon nous a
expliquer un peu le sens de cette serviette que nous voyons souvent à leur cou. Nous en avons tiré beaucoup d'informations, Karamat. Exactement, beaucoup d'informations. Et le doyen, notre invité, journaliste à la retraite, qui a servi cette maison pendant longtemps, il nous fait le plaisir d'être sur ce plateau, de partager encore ces moments avec nous de télévision. Ouais. Il est revenu avec sa serviette au cou, comme vous le constatez. Bonjour, monsieur. Bonjour, mes frères et sœurs. Et tout à l'heure, vous êtes là pour nous parler d'un prénom, Mina. Nous allons ouvrir tout à l'heure le plateau pour parler de ce prénom. Mais avant, tout à l'heure, le débat que nous menions vous a intéressé. Vous êtes venu, vous dites, il faut en parler, il faut sérieusement, même avec votre âge, excusez, hein, vous pensez qu'il faut continuer à parler du sexe dans le couple? Ah oui, il faut parler du sexe. Sinon, tout est monotone. Tout est monotone. Je veux dire qu'avec le sexe, il y a une ambiance. Et les enfants, bon, s'ils sont grands, ils savent à peu près, parce que le couple a parlé du sexe en disant que ça se prépare dans la journée. C'est vrai. Absolument. Dans la journée. Très bien. Quand je vois ma femme, je reviens du boulot, à midi, elle sait me passer le coude. Dès que je la vois avec, je ne sais pas, Karamat peut m'aider. Juste, je la vois, oui, on voit son habillement. Tout et tout. Parce qu'elle est en décolleté. Oui, ça inspire. Et puis juste... D'accord. Une petite... Des bretelles. Oui, ça y est. Et elle se... Merci. Vous voyez ce que ça signifie. Et puis, avec ça... Bon, écoutez, je sais déjà que ce soir... Il y a match. Il y a match. Merci beaucoup, merci à vous. Comme quoi, c'est à tous les âges, hein, c'est de 7 à 77 ans, je ne sais pas trop. Mais, oui, comme l'ont chanté... Ils ont bien dit... Elle court, elle court. Bon, des fois, oui, la maladie d'amour dans le cœur des enfants. Rock, on va faire un prénom africain. Oui.